Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va se foutre de moi encore. Ça faisait longtemps je trouve, hein? Bah oui. Aujourd'hui, je vais réagir à des photos de moi petite. Il va y avoir des doses, vous allez pouvoir rire, voilà, j'espère que tout le monde est content. Pas trop moi, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, on va aller fouiller dans mes anciennes photos, mon album, et voilà. Donc c'est parti, on va commencer avec les photos. J'ai un petit peu peur. Bon, j'ai devant moi une petite pile de photos, on va bien se marrer. Et après j'ai pour la totale un album, voilà. Oui, je dis album, je me fais toujours tailler par tout le monde sur ça. On dit un album. Ok, on s'en fout au pire. Bon, allez, on va commencer. J'ai extrêmement peur. Bon alors les photos seront pas vraiment dans l'ordre, hein. Je vais prendre comme elles me viennent. Je sais pas trop par où commencer, je vous avoue que là je croule sous les photos. Avec ma tête dessus, ça fait plaisir. Alors celle-là, genre je me rappelle, je kiffais trop cette casquette, genre c'était ma vie, je la mettais tout le temps. Bon après, ce qu'elle m'allait, on sait pas trop, on va rien dire. On adore le petit carré court qu'on va retrouver sur pas mal de mes photos, c'est génial. Voilà, aujourd'hui je trouve que ça me fait absolument pas les cheveux courts, mais c'est pas grave. Je kiffais cette casquette, mais je me rappelle vraiment, c'était trop ma préférée. Je suis magnifique sur cette photo, très photogénique, voilà, j'avais le goût de l'appareil, ça se voit, hein. Oh mon dieu, cette terre. Oh non, mais une pestouille, je suis sûre. Oh, de toute façon, j'étais une peste, hein, ça, je pense que ouais, les gens qui me connaissent peuvent le confirmer, j'étais un peu une pestouille. Bon, ça date pas vraiment à la même époque, mais on a toujours la coupe bien sympathique, avec le petit t-shirt Hello Kitty qui dépasse. On est bien, on est prête, parée pour l'hiver. Next. Oh non, je craque, mais Jeanne, tu t'écris dans un shooting photo là. Non. Puis alors, on peut noter aussi les petits sourcils inexistants. Aujourd'hui, j'ai même pas besoin de les remplir, je pense qu'ils sont déjà assez foncés comme ça. Voilà, mais bon, on peut rien y faire. Non mais franchement, cette coupe, je peux pas me la voir. Hein. C'est extrêmement gênant. Alors, encore sur les enfants, ça va, mais bon, sur moi, c'est pas top. Alors là, je crois que j'étais la personne la plus heureuse. En fait, mon anniversaire, c'était genre l'éclat total. La joie de vivre se sent sur ce visage. Plein d'espoir et de... Oh non, celle-là, par contre, elle est vraiment trop chou. Je l'avais vue il y a pas longtemps, parce que j'ai ressorti un peu les photos pour préparer cette vidéo. Oh, j'aime trop cette photo, elle est trop mignonne. Donc c'est ma maman et moi. Elle me faisait une petite couette, moi, toujours en train de bouffer. On change pas trop les habitudes. Non, sur ces photos-là, je trouve que ma coupe, elle était chou, parce que ma mère, genre, elle me faisait des petites couettes, tu vois. Genre les petits trucs que tu peux faire à tes enfants quand ils ont des cheveux courts et tout, c'est trop mignon. J'étais mignonne. Enfin, en fait, on voit pas trop ma tête là-dessus, c'est pour ça que je me trouve mignonne, je pense. Hein, on va pas trouver d'autres explications. Next. Bon, celle-là, je crois qu'on a rien besoin de dire là-dessus. Jeanne, tu ne sais pas sourire, donc ne te force pas à sourire. C'est tout. C'est tout. Encore en train de bouffer, ça y va toujours. Sur cette photo, on voit clairement, là, la joie de vivre est présente. Hein. C'est pas trop la dernière fois. Là, j'ai la boue devant moi, je la mange, je suis contente, y a rien d'autre à dire. Hein. D'ailleurs, je sais même pas ce que je mangeais, c'est quoi cette pâte là? En tout cas, j'avais l'air de kiffer, donc c'est le principal. Hein. Oh non, c'était une photo de classe. Enfin, en fait, on avait fait des photos par groupe, tu vois. Sauf que sur cette photo, j'ai clairement l'air d'être une enfant battue, c'est ça le problème. Jeanne apprend à sourire. Je me sens pas très à l'aise à regarder ça, je vous avoue tout hein, quand même. J'ai l'air d'une débile. Je suis mignonne, hein, mais enfin voilà quoi, je suis un peu peur. Bon, on a déjà fini avec les photos, mais vous en faites pas, il y en a encore beaucoup. On va ouvrir l'album, oui. Donc ça commence petite jusqu'à maintenant, donc on va surtout garder les petites, hein. Voilà, c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Oh là là, ma tête. Jeanne, ça ne te va absolument pas, les lunettes de soleil, n'essaye pas, c'est pas pour toi. Non, 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 non. Non. Oh là là. Là, c'était l'éclate totale. Mais d'ailleurs, sur quoi je suis assise? On se demande, hein. Là, le manège bas budget quand même. Je suis trop chou. Enfin, vite fait quand même. Dites que je suis mignonne, s'il vous plaît. Alors, puis alors, on notera la petite robe rose, comme on aime. Magnifique. Bon, alors là, je suis extrêmement concentrée. Concentration extrême. Quand je découpe une feuille, je pense que c'était un moment difficile pour moi. Puis surtout, c'est pas avec ces ciseaux-là que tu vas couper grand-chose, hein, ma petite, je te le dis tout de suite. Je sais pas si je vous l'ai dit celle-là, j'ai un peu honte. En fait, j'avais un délire avec le porcinet. Je kiffais, mais genre trop. Se trimballer avec un peignoir porcinet, c'est pas ce qu'il y a de plus classe. Voilà, puis j'ai porcinet dans la poussette pour toujours aller plus loin. Je crois qu'on va passer à la suivante, hein. Voilà. Bon, sur cette photo-là, on dirait clairement que je suis shootée. Ah, mais là, vraiment, on m'avait droguée, je crois. Donc on... Non, mais c'est quoi cette photo? Oh mon dieu. Et puis alors, la coupe, c'est pire en pire, quoi. Là, c'était. Mais il y a même plus de volume, quoi. C'est genre. On dirait un casque sur la tête, c'est immonde. Ah là là. Bon, bon, bon. Oh mon dieu, je vois des dossiers mais tellement horribles que j'oserais même pas vous les montrer, vous voyez. Oh non, mais celle-là, c'est une blague. Mais toujours plus de bouffe, quoi. Mais c'est quoi cette tête? Oh non, je craque, mais regardez mes yeux, regarde le gâteau. J'assume absolument pas cette photo, voilà.
On sait que c'était ma passion dans la vie, ça y a pas d'autre là-dessus. Oh non, je suis mignonne là, regardez, enfin une photo mignonne. Là, c'est une photo mignonne de moi, je trouve. Je suis chou, non? Ah là, c'est un carré qui est plus joli. Je trouve que ça va mieux que quand j'étais petite. Je l'ai gardé longtemps, le carré, je savais pas que je l'avais gardé aussi longtemps quand même. Voilà, voilà. Puis on peut aussi admirer ma tête sur cet album. Magnifique! Voilà, je crois que... Ouais, je crois que je me kiffais un peu trop. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Voilà, une petite vidéo un peu courte sur des photos de moi petite. C'est génial. Et encore une fois, voilà, dites-le moi si vous aimez bien les vidéos un peu comme ça où je réagis à des trucs dont j'étais petite. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.